Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester Son Goku Super Saiyajin Blue sur Dragon Ball Xenoverse 2, personnage qui a été amélioré durant la dernière mise à jour. Et je vais utiliser le Son Goku Super Saiyajin Blue avec le Guide de Whis. Il y a aussi l'autre Goku Super Saiyajin Blue qui utilise le Super Saiyajin Blue Kaioken. Aujourd'hui, je vais utiliser celui avec le Guide de Whis. C'est un personnage qui a été buff durant la dernière mise à jour. Ses attaques au corps à corps font un petit peu plus de dégâts. Ses techniques en Kikoa font un petit peu plus de dégâts. Et ce qui nous intéresse, c'est le Super Saiyajin Blue Kaioken. Durant les dernières mises à jour, c'était quelque chose quand même de très très puissant, Super Saiyajin Blue Kaioken. Mais là, ce qui est bien, c'est que la première transformation nous prend moins de santé. Et en fait, l'endurance baisse un petit peu moins quand on se téléporte. En fait, si vous avez pas mal d'endurance, croyez-moi que vous allez pouvoir vous téléporter vraiment plusieurs fois. Par contre, vous allez consommer un petit peu de santé. Mais ça va. La santé descend pas beaucoup, en fait, justement. C'est ça qui est bien. C'est justement que la santé ne se ponctionne pas très très rapidement. Et il se trouve que l'endurance aussi, sous la première forme du Super Saiyajin Blue Kaioken, consomme moins d'endurance et consomme moins de santé. Donc ce qui rend le personnage très très intéressant et assez cheaté, je dois vous avouer, une fois qu'il est transformé. Après, bon voilà, c'est Son Goku, c'est un personnage qui est contrable, mais c'est surtout au niveau de ses stats. C'est ces stats là qui vont vraiment faire très très mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on utilise le Super Saiyajin Blue Kaioken x10, la santé descend un petit peu plus vite, mais comparé aux dernières mises à jour, elle descend un petit peu moins, et il se trouve que l'endurance ne bouge pas. Vous avez un Kaioken infini, donc vous avez l'endurance infinie avec Son Goku Super Saiyajin Blue Kaioken x10, et en plus elle remonte. Quand vous utilisez le Kaioken x10, votre endurance remonte petit à petit, et en plus vous avez l'endurance infinie. C'est ça qui est vraiment très très intéressant avec ce personnage. C'est vraiment un perso qui est très très intéressant à jouer. Par contre, vous allez avoir une consommation de santé très très importante au niveau de votre santé. Ça va être très très compliqué de maintenir la transformation tout en essayant justement de garder un minimum de santé durant le combat. Ça peut être intéressant. C'est un personnage qui, ma foi, a été buff. Et franchement, ça lui a pas fait de mal. C'est surtout la première transformation du Super Saiyajin Blue Kaioken. Le Kaioken simple, en fait, mélangé au Super Saiyajin Blue. Sans oublier que le Kaioken est une technique, ce n'est pas une transformation. Son Goku, dans l'anime, le mélange juste avec le Super Saiyajin Blue. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant à jouer. Et le buff qu'ils ont apporté au Super Saiyajin Blue Kaioken, ça a équilibré un petit peu au niveau de sa consommation de santé. C'est ça qui était vraiment très très important durant les dernières mises à jour. Parce que quand on se transformait en Super Saiyajin Blue Kaioken x10, c'était limite intenable. Tandis que là, c'est un petit peu plus équilibré et garde son endurance infinie. C'est vraiment un personnage très très intéressant à jouer. Son Goku Super Saiyajin Blue Kaioken, vraiment c'est un perso que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. En plus, dans l'anime, quand il est apparu sous cette forme, enfin, pour moi, c'était vraiment un truc de ouf face à Hit. C'est l'un des combats qui m'a le plus marqué dans Dragon Ball Super, même si le reste n'est pas fameux. Il y a quand même quelques petits épisodes qui étaient très très intéressants dans Dragon Ball Super. Et ce Son Goku là, quand il a affronté Hit, justement Super Saiyajin Blue Kaioken, c'était vraiment un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Personnage très très puissant, très très intéressant à jouer, que je vous recommande à tester si jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur ces derniers moments de gameplay, quelques petits fights avec Son Goku Super Saiyajin Blue Kaioken. N'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous très très vite et merci pour votre soutien. A plus! ワクワクしてきたぞ。
ワクワクしてきたぞ。 悪いな、こいつたちから見せてやる。
ワクワクしてきたぞ。